Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation du Tour de France, présentation du côté des sprinteurs, du côté de cette bagarre pour le maillot vert entre les sprinteurs punchers, ces coureurs polyvalents qui se bagarreront pour les points du maillot vert, pour les sprints intermédiaires. Et là aussi, il y aura une belle bagarre. Il y a du beau monde, il y a des beaux sprinteurs. Et puis, c'est surtout que le parcours, eh ben, il va falloir aller chercher les points sur des étapes difficiles et ça conviendra peut-être pas à tout le monde. On va revenir sur les favoris, les outsiders, les grosses cotes, les non sélectionnés également. On aura des choses à dire. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si j'oublie un coureur, n'hésitez pas à me dire votre favori, peut-être votre top 3 des favoris pour le maillot vert. Et puis, dans les abonnements, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est très important pour la visibilité de la chaîne, ça m'aide énormément, pardon. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment si vous activez toutes les notifications. Alors là, c'est encore le Saint Graal. Du côté des sprinteurs, en introduction sur ce Tour de France, peu d'étapes toutes plates sur ce Tour de France. Je pense qu'elles sont au nombre de 4, les étapes toutes plates. Les deux au Danemark. Il y a également les Champs-Élysées et le vendredi qui sont tout plats. Sinon, l'étape par exemple de Carcassonne, c'est un peu vallonné quand même. Saint-Étienne, c'est très vallonné. Longwy, le final est très dur. Calais, c'est pas simple non plus. Dunkerque-Calais. Et puis les pavés, il faut réussir à passer les pavés. Donc c'est pas donné, c'est pas la portée de tous ces sprinteurs. Je suis assez surpris même qu'on ait réussi quand même à avoir un aussi beau plateau de sprinteurs quand tu vois que sur le Giro, c'était quand même super pour les sprinteurs par rapport à ce Tour de France. Si vous ne savez pas passer les bosses, passez votre chemin. C'est vraiment pas la course qui sera idéale pour vous. On va parler des non sélectionnés, des absents. Les absents surtout de ce Tour de France. Et bien du côté des absents, on a Mark Cavendish. Pas de 35e victoire du côté de Mark Cavendish, le coureur britannique qui vient de remporter un deuxième titre de champion de Grande-Bretagne avec une magnifique démonstration. Mais c'était prévu comme ça, que Cavendish ne fasse pas le Tour de France et que Jacobsen fasse le Tour de France. De toute manière, en sachant que vous avez Morkov comme lanceur, je ne sais pas quel aurait été le rôle de Cavendish. Est-ce que... Voilà, s'il avait eu le rôle de rouler entre 3 km et 700 mètres de l'arrivée, je pense que Asgreen et Sénéchal sont meilleurs dans cet exercice que Cavendish. Donc si c'est pour utiliser Cavendish en tant qu'équipier, c'est pas top. En plus, tous les jours, on va lui dire « Et alors la 35e, et alors la 35e, mais je suis équipier, connard !» Ça aurait pas été facile. Et puis, au bout d'un moment, la mauvaise humeur aurait pu... être un problème pour le groupe, pour le collectif. Un grand tour, c'est un peu comme une Coupe du Monde. C'est 3 semaines, quand même, un grand tour. Donc c'est long. Donc si y en a un qui fait la gueule dans le groupe, bon, au bout d'un moment, les autres, ils le ressentent aussi, quoi. Hein. Donc c'est un peu fatigant pour eux. Donc je pense que c'est ces raisons-là, et puis le fait qu'il avait déjà fait le Tour d'Italie, que enchaîner 2 grands tours, oui, quand t'as 26 ou 27 ans, il l'a fait, ça va. Quand on a 36 ou 37, plus compliqué pour Cavendish. Nasser Bouhanni, toujours pas remis de sa chute sur le Tour de Turquie, chute impressionnante sur le Tour de Turquie. Donc il est en phase de récupération, mais je ne pense pas qu'on le voit sur un grand tour. Peut-être qu'on le reverra en fin de saison, Nasser Bouhanni, sur des épreuves françaises. Mais c'est dommage pour lui, qui a quand même connu pas mal de galère ces derniers temps. Mais alors là, chute avec ce petit monsieur qui traversait la route, qui ramenait son pain sur le Tour de Turquie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, on en avait parlé lors du débrief de la course sur la chaîne. Rudy Barbier, du côté d'Israël, quand on manque de points au classement UCI, l'une des solutions, c'est d'amener un sprinter. Je pense que Rudy Barbier est quand même un peu plus rapide que Darlim P, sauf que Rudy Barbier n'est absolument pas utilisé. Alors c'est vrai que Rudy Barbier n'aime pas trop les bosses.
mais on aurait pu prendre à la fois Roddy Barbier et à la fois Darryl Impey. Ça n'aurait pas été un problème, je pense. On a décidé d'avoir une autre stratégie en misant tout sur Darryl Impey. Bon, j'espère qu'on ne se plantera pas du côté d'Israël, parce que s'ils ratent leur Tour de France, Israël, c'est fini pour eux. Ils seront en deuxième division. Chessbol, on aura pu s'attendre de Chessbol sur le Tour de France, en sachant qu'il était équipier pour la DSM sur le Tour d'Italie. On aura pu s'attendre à ce que Dainese ne fasse pas le doublé et que ça soit Chessbol qui enchaîne les deux courses. Là aussi, on a décidé de faire autrement du côté de l'équipe DSM. Donc Chessbol reste à la maison. Et puis Matteo Trentin était prévu du côté du AE. Alors je l'avais mis parmi les grosses cotes du côté du AE. Mais cas Covid pour Trentin, remplacé par Marc Hirschi. Donc l'Italien reste à la maison, c'est une info de dernière minute, c'est l'info de 14h, à peu près aux alentours de 14h. Donc c'est la dernière modification. C'est pour ça qu'il est toujours marqué sur ma start list, parce que pour l'instant, sur ProSakinstat, je vérifie à 14h50 est-ce qu'ils ont fait la modification, mais ils n'avaient toujours pas réalisé la modification au niveau de la liste de départ. Le temps que ça se charge, voilà. C'est toujours pas modifié, donc voilà, je m'en excuse. S'il est toujours indiqué lors du montage de la vidéo, c'est que ça n'a pas été modifié par ProCyclingStats, mais voilà, Trentin n'est pas au départ. Les favoris du côté du maillot vert, eh bien pour moi, peut-être même l'archi favori pour le maillot vert, c'est Wout Van Aert. Pourquoi ? Parce que c'est un tour idéal pour lui, pour le maillot vert, c'est-à-dire que c'est pas un tour pour les purs sprinters. Encore une fois, et puis Wout Van Aert, il y a des pavés. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas dans le top 5 de l'étape des pavés. L'étape de Calais, lui, il va passer. La côte du Cap Griné ou Blandé, je ne sais jamais. Je confonds toujours les deux. Lui, il va passer les bosses sans problème. Il va ramasser des points sur différentes étapes. Le seul problème, je dirais, avec Van Aert, c'est qu'il a Roglic et Vingegaard avec lui. Donc, est-ce qu'il aura les coups des franches? Ou est-ce que sur certaines étapes, il devra faire un travail d'équipier qui lui coûtera de l'énergie, qui ne lui permettrait pas de jouer des sprints ou et surtout à des étapes où il faudrait contrôler et où son équipe ne contrôlerait pas parce que le leader c'est Roglic ou Vingegaard. Ça peut être un petit peu un problème pour Van Aert, mais sinon, c'est celui qui me paraît le plus régulier pour aller chercher le maillot vert. Parmi les favoris, j'ai mis Jacobsen. Pour les victoires d'étape, plutôt Jacobsen, même que pour le maillot vert. Bon, bah Jacobsen, il a une équipe totalement consacrée à lui, avec notamment Morkov, avec Honoré, Bagioli, Sénéchal, Cataneo. Vous avez également Casper Asgreen, Yves Lampaert. C'est tout pour Jacobsen hein, dans cette formation. C'est le sprinter qui, pour le moment, m'a fait quand même la plus forte impression depuis le début de saison. Il enquille un petit peu les victoires. Il a gagné des étapes, je crois, sur le Tour de Belgique. Voilà, où il a remporté une étape du côté de Beringen. Vainqueur également de deux étapes sur le Tour de Hongrie. D'une course du côté de Bruges, l'Efstelden Ronde 2, qu'il a remporté également. Il est en ce début de saison. Que je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 victoires d'étape et 1, 2, 3 classements du maillot vert également depuis le début de saison. Vainqueur également de Kuurne Bruxelles-Kuurne du côté de Jacobsen. C'est le sprinter qui pour le moment fait la plus grosse impression depuis le début de saison, le néerlandais. La difficulté c'est qu'il fait 1m81 pour 78 kg. Autant vous dire que dans les bosses, il va souffrir et qu'il y a quand même beaucoup d'arrivées en boss. Donc, il faudra pas qu'il rate les opportunités de victoire parce qu'il n'en aura pas beaucoup, Jacobsen. Je continue avec Alpecin. Alors, Alpecin qui a plusieurs cartes au départ. C'est vrai que c'est assez intéressant du côté d'Alpecin. Ils ont deux cartes. Une carte favorite pour moi, pour les victoires d'étape, c'est Philipsen. Le coureur belge qui m'a fait la meilleure impression avec Jacobsen depuis le début de saison, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, ça va être intéressant de voir cette première carte
avec du Van Kalsbrug, du Plancard, du Krieger, du Gogol, du Didier, il y a du monde pour emmener Philipsen. Donc ça va être intéressant à voir. On reparlera encore d'Alpecin de Koninck pour un autre coureur, bien entendu, dont on parlera un peu plus tard. Caleb Ewan également du côté de la Lotto. Alors la question est de savoir comment il a récupéré de son tour d'Italie. Caleb Ewan, la Lotto a besoin de points. On ne peut pas se contenter seulement d'Arnaud Delis. Et puis Arnaud Delis est trop jeune pour faire les grands tours. L'équipe est tournée autour de Caleb Ewan avec notamment Philippe Gilbert qui aura le rôle de Tim de Klerk, Frédéric Frison, Jens van Rensburg, Reinhard Jens van Rensburg, Andreas Kroon, Bren van Moor, Florian Vermersch, Tim Willens. C'est une équipe idéale pour Caleb Ewan. Il passe quand même les bosses, Caleb Ewan, et je dirais qu'il passe de mieux en mieux les bosses. Il a couru qu'une seule fois au mois de juin, c'était à l'Efstelden Ronde 2, où il a fini deuxième derrière Jakobsen, vainqueur de deux étapes sur le Tour de Turquie, d'une étape sur Tirreno Adriatico, d'une étape sur le Tour des Alpes-Maritimes, et d'une étape sur le Saudi Tour. Sur le Tour d'Italie, il avait fait deuxième à Scalea et il avait failli faire troisième du côté de Visegrad où il était tombé, le coureur australien. Donc, savoir comment il a récupéré de cette chute du côté du Tour de Hongrie qui l'avait un petit peu handicapé pendant tout le Tour d'Italie. J'ai dit Tour de Hongrie, hein, pendant tout le Tour d'Italie en Hongrie. Et après, il avait été un petit peu en difficulté, Caleb Ewan, mais ça reste l'un des meilleurs sprinteurs du monde, donc forcément, on le met parmi les favoris. Puis je mets Mats Pedersen. Alors certes, l'équipe n'est pas incroyable autour de lui. Je dirais qu'il y a Quinn Simons, Kirsch, Skyne Stuyven, Galopin, Ciccone et Mollema. On ne sait pas trop s'ils vont rouler pour lui. Mais du côté de Pedersen, il passe très bien les bosses. Il est très bon sur les sprints sur le plat. Ça va être un coureur dangereux. Il passe magnifiquement bien les pavés et les étapes de bordure. Donc, il ne va pas être facile à battre. Pedersen, il va y avoir des belles opportunités. Puis en plus, je pense qu'il est très motivé avec ce départ au Danemark pour marquer les esprits et aller chercher une victoire. Du côté des outsiders, le premier pour moi, c'est Brian Cocquart. Brian Cocquart, on l'a vu performant en début de saison. C'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit. Avec son niveau qu'il avait chez BNB Hotel, Brian Cocquart, 30 ans désormais pour le coureur français, qui a fait deuxième derrière Sagan sur le Tour de Suisse, qui a fait troisième aux boucles de la Mayenne lors de l'étape 4, qui a fait deuxième lors de la route Orangelle, vainqueur d'une étape du Tour de la Provence, d'une étape de l'Étoile de Bessèges, deuxième également sur la première étape du Tour de l'Algarve, deuxième également d'une étape de Paris-Nice. Sur les World Tour, il tourne autour et il aimerait bien en claquer une. Il a les capacités d'en claquer une. Brian Cocquart, il y a des étapes qui vont lui couvrir. Je pense à l'étape de Calais, je pense à l'étape de Carcassonne. Aussi, ce sont des étapes qui vont convenir à Brian Cocquart et on sait très bien que tous les sprinteurs ne passeront pas ces étapes-là. Je rappelle l'avantage de Brian Cocquart, 1m71 pour 59 kg, c'est quand même un réel avantage pour le coureur français. Bien entendu, Van Der Poel pour la bagarre pour le maillot vert. En passant, Cocquart, il a déjà fait un bon classement pour le maillot vert. Il sait un peu gérer un classement de maillot vert et prendre des points là où il le faut. Van Der Poel. Alors le problème de Van Der Poel, c'est qu'il a plus envie de frotter dans les sprints. On s'en est aperçu sur le dernier tour d'Italie. C'est dommage, parce que pour le maillot vert, gagner des sprints sur le plat, c'est quand même un avantage. En plus, vous avez Philipsen, donc ça serait que ce n'est pas l'idéal. Malgré tout, pour Van Der Poel, l'étape de Longwy, ça correspond totalement à ses qualités. En sachant qu'en plus, il n'aura pas Alaphilippe dans les pattes, ça aide beaucoup de ne pas avoir Alaphilippe dans les pattes. Et puis, vous avez également l'étape de Mende, où je pense qu'il est en capacité de passer également. Et ça ferait des points pour le maillot vert, parce qu'en plus, Mende, l'arrivée n'est pas un classement de la montagne, donc ça fait pas mal de points. Du côté de Longwy, c'est la Côte des Religieuses. Non, c'est pas la Côte des Religieuses. Je me gourre avec le Tour de France féminin. Je crois que le Tour de France féminin arrive à la Côte des Religieuses. C'est le même parcours quasiment que la victoire de Julien Alaphilippe. Mais il y aura des choses très intéressantes pour Christophe
Pour Van Der Poel, pardon. Après, s'il prend pas de points sur les étapes de plat, ça va être un petit peu compliqué. Dainese, l'italien de la DSM. Du côté de la DSM, on a plutôt bien entouré Dainese. Les Knessoun, par exemple, pourraient avoir un rôle intéressant. Kevin Vermark, on ne sait pas trop quel sera son rôle, mais je dirais qu'il y a surtout Degenkolb et Koff. Degenkolb, ça va être vraiment très intéressant. Et puis Romain Bardet aidera également peut-être Dainese pour les sprints. Sur les premiers sprints, donc Dainese, qui je rappelle a remporté une belle victoire d'étape sur le Giro, là aussi ça a peut-être débloqué quelque chose pour le coureur italien. Donc c'est une équipe qui de toute manière est partie pour être une équipe de franc-tireur d'ASM, hein. Donc ça marche également sur les étapes de sprint. Christophe, bien entouré Christophe, Adrien Petit, Pasqualone, Van Der Horn, Zimmermann, Goosen, également Bigström, c'est assez intéressant de voir comment ils ont fait Intermarché. Il y a quand même très peu de grimpeurs, hein, par Lumentiez. Bon, Goosen passe quand même bien les bosses, c'est pas un pur grimpeur, donc on roulera pour Christophe. La difficulté pour Christophe, c'est que pour le moment, avec Pasqualone, il y a toujours eu des petits soucis de timing. L'avantage aussi, c'est qu'Adrien Petit peut également faire lanceur. Donc si ça se passait pas bien sur le premier sprint ou le deuxième sprint avec Pasqualone, on pourrait intervertir les positions avec Adrien Petit. Donc là, c'est également un avantage pour Alexander Christophe. Et puis Jomi Hofstetter, du côté d'Arkea, vainqueur, je rappelle quand même, du Trobroléon, Hugo Hofstetter, qui a tourné autour pendant tout le début de saison, un enchaînement de top 10, notamment en deuxième du Samin, troisième de Kurn, troisième du Grand Prix Jean-Pierre Monseret. Il a fait également troisième à Perpignan sur le Tour de Catalogne, vainqueur donc du Trobroléon, deux fois cinquième, une fois deuxième sur les quatre jours de Dunkerque. Huitième du côté du Tour de Belgique, ça a été un petit peu plus compliqué du côté des Knokke-Eicht. Je crois que ça se dit à peu près comme ça, en flamand. Il tourne autour en termes de résultats, le coureur français, mais il sera bien entouré là aussi avec Maxime Bouet, qui pourrait avoir un peu le rôle de Tim De Clercq, Amaury Capiot, Mathis Louvel, Connor Swift, Lucas Ofsian. Il y a du monde pour emmener Hofstetter. Après, ça sera à lui de débloquer les résultats dans sa tête, mais il a déjà fait des top 5, hein, sur le Tour de France, Hugo Hofstetter. Et puis là, bah, bien emmené, ça va peut-être être très intéressant pour le coureur français. Du côté des grosses cotes pour ce Tour de France, bah, je commence avec Dylan Groenewegen et Michael Matthews du côté, on fait d'une pierre deux coups, du côté de Bike Exchange. Pourquoi je mets les deux en grosses cotes? Déjà parce que j'ai du mal à comprendre vraiment la stratégie du côté de Bike Exchange, une équipe qui est quand même en manque de points. On emmène beaucoup trop de coureurs qui sont bons en sprint. Je rappelle aussi, il y a quand même Mesgeck au départ, qui est capable également de gagner des sprints en buzz. Donc on a Matthews, Bauer, Durbridge, Groenewegen, Jensen et Jon Nielsen, donc Lucas Mesgeck, Nick Schultz, tout pour le sprint. Ça, c'est clair et net, du côté de cette formation Bike Exchange. Alors, le train est bon. Le problème, c'est que Groenewegen, on a vu, hein, sur le Dauphiné, pas du tout à la fête. Donc, ça veut dire que Groenewegen, à part un pont d'autoroute, il aura du mal à passer les bosses. Et puis, Michael Matthews, par contre, à l'inverse, au niveau du sprint, c'est plus foufou du côté de l'Australien. Donc, j'ai peur que ça soit compliqué pour Bike Exchange. Et ça veut dire aussi que Michael Matthews va forcément avoir un travail à faire pour Groenewegen. C'est-à-dire que pour le maillot vert, pour Matthews, ça ne va pas être facile parce qu'il va perdre des points sur les étapes de plat. Donc ça va. Voilà, il faudra voir un petit peu quelle sera la stratégie du côté de Bike Exchange. Est-ce qu'on fera quand même des sprints? Est-ce que Matthews se débrouillera seul sur certains sprints pour quand même aller marquer des points? S'il peut être présent au niveau du classement, ça peut être intéressant de voir comment ça va se passer. BNB Hotel, Jamie Mozzato. Bon, fallait bien parler de BNB Hotel de temps en temps. Mozzato, mais il faudrait que les étapes soient très lentes pour Mozzato. Parce que l'Italien n'aime pas trop quand il y a la bagarre. Bon, de toute manière, c'est un peu pareil avec Pierre Barbier dans cet effectif. Donc, c'est un peu le souci de leur sprinter, c'est qu'ils n'aiment pas trop quand il y a de la course. Pierre Barbier qu'on ne voit plus en ce moment. Hein. Donc, je ne sais pas s'il s'engueule avec Jérôme Pinault. Mais c'est vrai que ça fait partie du coureur qu'on ne voit plus, Pierre Barbier. Mais du côté de Luca Mozzato, ça va être compliqué quand même pour le coureur italien. J'ai mis en grosse cote, j'ai hésité entre grosse cote et outsider, Sagan.
J'ai peur que quand même le deuxième coup de Covid, ça n'a pas fait que du bien à Sagan, même s'il a remporté son championnat national. Et puis, bon, Sagan sur un sprint massif, non. Alors sur des sprints en boss, oui. Il y a quand même Turgis pour l'aider. Et Boissonhagen, qui a fait un beau Dauphiné. Boissonhagen, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient pas pris, ils avaient pris Christian Rodriguez et pas Boissonhagen, parce que pour moi, Boissonhagen avait quand même fait un super Dauphiné. Mais du côté de Sagan, ça va pas être facile quand même. Je sais pas, en fait, j'ai du mal à savoir si sa victoire sur le Tour de Suisse était vraiment le grand retour de Sagan incroyable, ou si c'est parce que sur le Tour de Suisse, à un moment, on a manqué un petit peu d'adversité, c'était un final technique. Faudra voir. Daryl Impe, il sera un peu seul du côté d'Israël, mais bon, ça ne l'a pas gêné du côté du Tour de Suisse. Mais c'est quand même sur les sprints massifs, il faut quand même qu'il y ait du monde qui saute pour Daryl Impe. C'est un peu pareil pour Kurt Nielsen, surtout qu'on n'a pas du grand Kurt Nielsen jusqu'à maintenant du côté de chez EF. Sur le Tour d'Italie, ça a été compliqué pour le coureur danois, mais je pense qu'il avait envie de participer au Tour de France. Donc est-ce qu'il a, voilà, il s'est préparé spécialement pour le Tour de France, ça c'est une grande question. Moscone du côté d'Astana, il a quand même une bonne pointe de vitesse, il y a des arrivées en boss, sauf qu'il est nulle part depuis le début de saison. J'ai envie de dire que depuis Paris-Roubaix l'année dernière, il est un peu nulle part, Moscone. Un Moscone comme l'année dernière chez, lors du Tour des Alpes, normalement j'aurais dit oui, pourquoi pas un maillot vert, c'est vrai qu'il est capable d'aller chercher les points, sauf que la Moscone il est nulle part, mais je le mets quand même parmi les grosses cotes, on ne sait jamais s'il y a un retour en grâce. Et puis Pidcock, bon, on ne sait jamais si on décide qu'il n'a pas besoin de travailler pour ses leaders. Pidcock, ça reste quand même un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Il est capable de marquer des points également sur des étapes plus difficiles. Là aussi, un avantage comme Cocquart d'avoir un gabarit très léger pour Thomas Pidcock. Après, il faudra voir quelle sera la stratégie du côté d'Ineos Grenadier. Eh bien, on a fait le tour. Je rappelle donc le programme sur la chaîne vendredi 1er juillet, 7h30. Première vidéo de présentation de ce Tour de France. Et puis le débrief qui aura lieu vers 21h30, plutôt 22h, je pense, vu que l'étape arrive assez tard. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vais tenter de récupérer des cordes vocales. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maric Production. Ciao, ciao!